Le 20 mars dernier, notre directeur d'école, M. Roberto Gauvin, nous informait que le site web de l'école allait prendre un nouveau format, le tout en collaboration avec Opossum. Pour se rendre sur le site web de l'école, il suffit de taper cahm.elg.ca. Dans la partie centrale, on y retrouve les différents billets concernant les activités se déroulant à l'école. Dans la partie supérieure, on y retrouve quatre onglets. Des onglets concernant ce qui se vit à notre école, nos cybercarnets, la vie scolaire, ainsi que l'éthique à l'école. En appuyant sur ces boutons, sur ces onglets, on y retrouve différents liens nous menant vers les activités. Dans la partie de notre école, on y retrouve de l'information concernant notre organisation, notre plan de réussite pour l'année 2006-2007, le profil de l'école pour l'année 2005-2006, les plans d'études du CAHM, donc les plans à long terme, les programmes d'études du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, de l'information concernant notre programme SAE à l'école, sport, art, études, le bulletin mensuel qui est envoyé à la communauté pour expliquer ce qui se passe à l'école, ainsi que les communiqués de presse. Dans l'onglet « Nos cybercarnets », on y retrouve nos intentions face à l'utilisation du cybercarnet, l'importance de la qualité de la langue, le cybercarnet des élèves et des membres du personnel, le cybercarnet du directeur, les billets récents ayant été publiés, les commentaires récents, ainsi que la carte d'étiquette. Dans l'onglet « Vie scolaire », on y retrouve les différentes activités qui se déroulent à l'école. Donc, le projet de la lutte à l'intimidation, de l'information sur la journée Terry Fox, de l'information sur la journée Marchons vers l'école, sur le jour du souvenir, sur l'expo science, sur la journée JAG, journée d'activité au gymnase, afin de créer des liens entre le personnel et les élèves, la semaine de la fierté française, la comédie musicale, ainsi que la cérémonie de fin d'année. Dans l'onglet « L'éthique », on y retrouve des liens menant vers le plan d'intégration d'éthique à l'école, différents projets, les wikis du CHM, la radio étudiante de notre école CAHM-FM, le studio de télévision de l'école CAHM-TV, le formulaire pour faire une demande de soutien informatique, la météo régionale, ainsi que les nouvelles de Radio-Canada.
Dans la section de gauche, on peut y voir différentes photos d'activités réalisées au CHM. En actualisant la page, on peut y voir de nouvelles photos. On y retrouve aussi les cybercarnets des élèves et des membres du personnel. Les prénoms des élèves et du personnel de l'école y sont placés en ordre alphabétique. On y retrouve aussi les billets récents du CHM, les commentaires récents du CHM, donc tous les billets ayant été écrits par les élèves ou le personnel de l'école. On peut y faire une recherche pour trouver un billet correspondant à un mot-clé. On peut choisir une catégorie. Différentes catégories s'offrent à nous. En choisissant une catégorie, on peut y voir lire les différents billets ayant été placés dans une catégorie. On peut aller dans la section Archives et choisir un mois et l'année de publication. Pour tous les billets. En descendant un peu plus bas, on peut y voir la liste de nos partenaires qui font en sorte que nous vivons de très beaux projets à l'école. Et on a aussi un site meter qui nous permet de voir toutes les personnes qui visitent notre cybercarnet. Comme on peut le constater, plusieurs personnes d'un peu partout dans le monde viennent nous visiter. D'où l'importance de créer un cybercarnet pédagogique, instructif et de qualité. N'hésitez pas à venir nous visiter au http://chm.elg.ca/. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires.